Salut les filles, alors aujourd'hui je vous présente ma routine soin pour prendre soin de ma peau au quotidien. Donc j'espère que vous appréciez ce tutoriel et je vous laisse regarder la suite. Alors on procède au démaquillage tout d'abord. Donc là je reviens du boulot, donc je vais utiliser mon huile de coco. Il faut savoir que je suis une inconditionnelle des textures d'huile pour ôter toute trace de maquillage et ça fonctionne mais alors relativement bien. Donc je l'applique sur mes mains, je vais masser pour chauffer l'huile et ensuite je vais l'appliquer sur le visage. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très glamour et ça peut être assez impressionnant parce que vous allez avoir un résidu assez huileux sur le visage et vous allez avoir aussi les restes du maquillage qui sont en surface. Donc c'est assez impressionnant. Donc il ne faut pas avoir peur, avec l'eau tout va partir. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc je fais des petits gestes circulaires pour masser et estomper et étirer un petit peu toutes les textures d'eyeliner, de mascara, de fond de teint, de rouge à lèvres. Et comme vous pouvez voir, c'est assez efficace. Donc je passe également sur les cils, hein, comme vous pouvez le voir, pour ôter le liner et le mascara qui a pu s'infiltrer un petit peu entre les cils. Et voilà, j'y vais en douceur. Hein. On n'y va pas comme une bourrée non plus, mais voilà, ça marche plutôt bien. Ça peut prendre du temps, certes, mais en tout cas, vous êtes sûr d'aller dormir avec un visage propre. J'ai donc démaquillé mon visage, donc là je vais juste ôter le film gras qui perdure sur ma peau. Donc je vais utiliser une serviette démaquillante, j'en ai déjà parlé sur mon Insta. Je l'ai acheté dans un monoprix, c'est une serviette qu'on utilise en humidifiant et qui ôte tous les résidus de maquillage. Seule je l'ai utilisé, ça marche plutôt bien, mais je préfère quand même utiliser une niche, je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Mais dans ce cas-là, cette serviette s'est révélée utile parce qu'elle ôte bien toute l'huile de coco qui reste sur la peau et qui ne part pas avec l'eau. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça marche relativement même, ça marche super bien. J'ai plus rien du tout, donc je trouve que cette serviette est plutôt bien, mais à combiner avec une autre lotion démaquillante. Mais seule, je pense que ça marche moins bien. Et puis j'ai trouvé un second inconvénient, c'est que au nettoyage, parce que bien entendu il faut ensuite nettoyer votre serviette, il est resté un petit peu de maquillage sur la serviette et j'ai beau nettoyer avec du savon de Marseille, ça ne partait pas. Donc je le trouve efficace, mais je ne veux pas le racheter, ça c'est clair. Et pour parfaire ce nettoyage, je vais utiliser mon éponge Conjac, je vais y appliquer un peu de gel nettoyant par-dessus. Ce nettoyage, c'est surtout pour permettre d'ôter les impuretés qui ne sont pas parties avec l'huile de coco. Donc comme vous pouvez le voir, je l'applique et je procède par geste circulaire pour ôter un petit peu les résidus un peu tenaces. En tout cas, ça va permettre un nettoyage en douceur, mais en profondeur, sans agresser la peau. Donc j'apprécie également ce gel nettoyant qui est parfait pour les peaux mixtes à grasse. Elle ne tirait pas la peau lorsque le nettoyage est effectué. Je trouve qu'il est plutôt efficace. Il nettoie bien également. Donc c'est parfait pour les peaux qui ont tendance à briller, qui ont tendance à produire pas mal de sébum. Vous rincez ensuite à l'eau claire et vous essuyez avec une serviette propre, tout simplement en tapotant pour éviter de maltraiter votre peau. Et en alternative d'un nettoyage au gel, de temps en temps j'aime bien utiliser une lotion. Je l'applique sur mon coton et je le pose sur les zones de mon visage, le front, les joues, le menton, les zones un petit peu qui ont tendance à avoir des imperfections, à avoir les pores un peu plus dilatés. Donc ça va les resserrer, ça va nettoyer, ça va donner un peu plus de tonicité. Donc c'est une lotion que j'utilise le matin lorsque je n'utilise pas d'eau et le soir lorsque je ne suis pas sortie, lorsque j'étais chez moi et que j'ai végété chez moi toute la journée. C'est une alternative quand on n'a pas envie d'utiliser un gel nettoyant et lorsque vous n'avez pas d'eau à proximité. Après, c'est pas une lotion que je conseillerais aux peaux sèches ou sensibles, étant donné qu'elle contient de l'alcool. Ça aura tendance à dessécher la peau et à la déshydrater, donc c'est pas forcément l'effet voulu. En tout cas, sur ma peau mixte à grasse, ça fonctionne plutôt bien. De temps en temps, j'aime bien me faire un petit gommage, une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Donc moi, j'utilise celui de chez Saint-Yves. Donc c'est une crème avec des petits grains incrustés dedans. Ce sont des petits morceaux de
des noix de l'abricot. Donc ça permet une bonne exfoliation, ça enlève bien toutes les cellules mortes, ça resserre bien les pores. En tout cas, sur ma peau, ça lisse mon teint, ma peau est vraiment adoucie et bien plus éclatante. En tout cas, sur ma peau mixte à grasse, ça fonctionne super bien. Après, je ne suis pas sûre que ce soit adapté pour toutes les peaux. Sur les peaux un peu plus sensibles ou les peaux un peu plus sèches, je ne suis pas sûre que ce soit la gamme adaptée. Mais en tout cas, sur moi, en tout cas sur ma peau, ça fonctionne plutôt bien. Donc, comme vous pouvez le voir, je masse encore une fois par geste circulaire et ensuite je rince à l'eau claire. Je rappelle que les gommages ne sont pas à utiliser quotidiennement, c'est quand même une texture assez abrasive. Voilà, une fois par semaine, c'est amplement suffisant. En tout cas, ça permet une meilleure pénétration des soins que vous allez effectuer par la suite. Alors voici mon masque coup de cœur, donc c'est un produit de chez MAC. Hein. Après moi, les produits soins chez MAC, je ne suis pas forcément super enchantée. Hein. Je ne suis pas vraiment une inconditionnelle, mais celui-ci, il est vraiment intriguant, il m'a tout de suite marqué et je l'aime beaucoup. Donc, c'est un peu comme le gommage, hein. C'est à utiliser avec parcimonie, une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, parce qu'il est quand même assez costaud. Il a des actifs matifiants, qui va réguler le sébum et qui va hydrater votre peau. Donc ça aussi, j'apprécie beaucoup. Donc je l'applique sur peau humide, sur tout le visage, en évitant les yeux. Donc il va s'assécher et devenir complètement mat au bout de 3-4 minutes. Donc je vais laisser un petit peu s'assécher et ensuite... il va y avoir un espèce d'effet sur la peau, je ne peux pas vous le décrire, je ne peux pas vous le montrer à la caméra parce que c'est surtout une sensation, c'est une sensation très chauffante, c'est assez spécial, c'est vraiment particulier, j'avais jamais ressenti ça avec un autre masque, quoi, avec un autre produit soin. Donc en tout cas c'est assez étrange et en même temps très agréable. Donc comme le gommage, il lisse la peau et il rend la peau toute douce. Ensuite, comme vous avez pu voir, le rendu est bien noir, il faut juste le rincer à l'eau claire. Donc j'utilise l'éponge Conjac, oui, utilisez vos mains, c'est beaucoup plus rapide. Hein. Donc voilà. J'ai pas mal de tâches, donc pour ma peau à imperfection, j'utilise encore le sérum C20 à la vitamine C. Donc il vient d'Asie, il est très prisé des Asiatiques. Donc il a pour mission, pour fonction et comme actif et de lisser un petit peu le teint, d'atténuer avec le temps les imperfections, de favoriser la cicatrisation des taches pigmentaires, en tout cas donner à la peau une texture un peu plus lisse, un peu plus fraîche et recoupée, regalbée. Et c'est vrai que ça a vraiment vachement bien marché sur moi. En tout cas, ça fonctionne énormément sur les cicatrices qui sont récentes. Si vous avez des cicatrices qui datent d'il y a 3-4 ans, ça ne marchera plus, bien entendu. Mais sur des cicatrices qui datent d'il y a 2-3 semaines, ça marche plutôt bien si vous effectuez votre cure régulièrement tous les soirs de manière religieuse. Ça fonctionne très bien. En tout cas, ça a bien marché sur moi. Donc voilà, j'utilise la pipette. J'utilise 3-4 gouttes sur ma main et je masse sur les zones qui ont le plus d'imperfections. La texture est plutôt sèche. Hein. En massant bien, ça s'assèche et le rendu devient bien mat. Donc voilà, c'est plutôt léger. Mieux vaut prévenir que guérir. J'applique ensuite un sérum contour de l'œil, juste une toute petite noix que je vais appliquer au doigt sur la paupière inférieure, en tapotant légèrement et en doucement. Donc ça va lisser, donner un peu de fermeté, de tonicité à ma paupière. Et c'est tout ce que demande ma peau, donc voilà, j'apprécie beaucoup. Donc c'est une marque sénégalaise, Chouette Mama, et qui propose des produits entièrement naturels à base de produits de la nature, du baobab, du quinquéléba, qu'est-ce qu'il y a encore, du bissat. Donc voilà, c'est des produits alimentaires à la base qui ont été détournés et qui sont des produits soins. Pour les soins de la nuit, j'ai surtout envie que ma peau soit régénérée, raffermie et réparée. Donc en général, je mixe le sérum Essence Magnifica de Sanoflore avec ma crème éclair naturelle de chez Chouette Mama également. Alors la crème éclair naturelle de Chouette Mama est quand même assez nourrissante et ça c'est ce que j'apprécie parce qu'elle va protéger ma peau, va l'hydrater, va l'adoucir, va maintenir un peu l'hydratation. Donc ça c'est ce que j'apprécie beaucoup et avec le sérum mélangé ensemble, je mixe avec quelques petites gouttes. Je masse bien sur le visage et durant la nuit, j'ai une peau bien protégée et bien hydratée. Et le lendemain matin, juste à nettoyer avec une lotion nettoyante, et c'est parfait.
En tout cas, ma peau est protégée. Même les peaux grasses ont besoin d'hydratation. Donc voilà, c'est le genre de combinaison que j'aime beaucoup appliquer. Et bah, ces deux produits sont vraiment excellents pour ça. Le froid est de retour, donc il est nécessaire pour moi d'hydrater mes lèvres chaque nuit. Donc j'utilise un baume de chez Elisabeth et Ardennes. Je l'apprécie beaucoup, il nourrit bien mes lèvres et les lèvres le lendemain sont toutes douces. Voilà, pas d'effet craquelé, de crevasse, donc c'est plutôt agréable. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas à aller dans les commentaires pour me donner vos avis, quelle est votre routine soin. Sinon, on se retrouve très bientôt, je l'espère. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée. Bye!